Coucou les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo comme d'habitude pour vous faire un unboxing donc d'un site que j'ai passé commande. Je vais vous parler de ça, mais juste avant je voulais vous dire que j'ai récupéré mon ordinateur portable. Il a été réparé, enfin réparé, j'ai récupéré mon ordinateur portable, donc du coup je vais pouvoir refaire des montages. Donc du coup voilà, vous m'avez demandé qu'est-ce qu'il avait eu et en fait il ne voulait pas charger. Donc j'avais un chargeur universel et je le branchais sur mon ordinateur et du jour au lendemain il a plus voulu s'allumer et je sais pas du tout pourquoi. Donc du coup on a décidé de l'envoyer chez le réparateur et le réparateur donc l'a eu pour la journée. Et donc je lui ai dit, expliqué tout ça. Et du coup il a pris un chargeur universel et il l'a testé sur mon ordinateur. Et mon ordinateur s'est rallumé par magie. Donc du coup voilà, on comprend pas trop parce qu'on a un chargeur universel. On l'a branché sur mon ordinateur, ça ne voulait pas s'allumer. Il branche cet adaptateur universel et là ça marche. Donc on n'a pas compris du tout pourquoi. Donc on a mis 53,30€ dans un chargeur universel pour rien. Parce qu'en rentrant à la maison, on s'est dit on va réessayer, on va bien voir. Je rebranche mon adaptateur universel sur mon ordi pour le charger. Et là, il a commencé à se mettre à charger. Donc j'ai pas compris la chose pourquoi. Donc du coup, voilà, on a mis 53€ dans le cul. Et oui, je suis encore vulgaire. 53€ dans le cul. Donc du coup, voilà, je suis un peu dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, voilà, pour vous expliquer un peu du pourquoi, du comment, pour mon ordinateur, vu qu'on m'a demandé. Donc du coup on va ouvrir ce colis là, donc c'est pas un partenariat, c'est moi qui ai passé commande sur ce site. Mais vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de vous conseiller un site pour les ongles. Un site pour les ongles pour en fait acheter des vernis stamping ou des vernis ou des décorations sur les ongles etc. Ou même pour du gel. Et du coup j'ai passé une commande moi sur le site en fait pour mes... pour mes vernis semi-permanents, parce que si vous me suivez sur Facebook, vous savez que j'étais en train de vendre, ou même sur YouTube, je crois que j'ai dit, que j'étais en train de vendre tous mes vernis, enfin une bonne partie en tout cas, pour m'acheter du vernis semi-permanent. Et du coup, voilà, chose faite, j'ai réussi à vendre tous mes vernis, ou une bonne partie. Et du coup, je me suis acheté du vernis semi-permanent. Je vais l'ouvrir avec vous. Hop, donc le site, c'est Ongle 24. Donc c'est un site que j'ai déjà commandé plusieurs fois sur ce site-là. Et c'est vraiment super, il y a du choix. Quand vous n'êtes pas expert, donc on m'a demandé ça aussi parce que soi-disant je ne suis pas pro. Mais si vous n'êtes pas pro, si vous voulez faire une pose de gel, il suffit que vous alliez sur Ongle 24 et que vous prenez, admettons, le gel de base. Vous allez avoir le gel de base avec le prix qui est vraiment des petits prix. C'est du matériel de professionnel à petit prix. Vous descendez un peu plus bas et en dessous, ils vous disent de quoi est composé ce gel-là et exactement comment l'utiliser. Donc, il vous dit, admettons, poncez votre ongle, appliquez le top coat base Intel. Donc, ils vont vous dire, il suffira que vous allez voir lequel gel prendre, vous mettez dans votre panier. Ensuite, appliquez ça, 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 ça. Et ils vous expliquent vraiment tout en détail. Donc, du coup, voilà, on peut payer par PayPal, on peut payer par carte. Et ça, j'ai passé commande jeudi et on est samedi, j'ai reçu aujourd'hui le colis, donc ça va vraiment vite. Donc c'est bien protégé, il y a du papier comme ça, bulle, on a vraiment partout dedans. Hop. Donc du coup j'ai commandé quelques petites choses qui me manquaient, que j'avais besoin. Donc du coup voilà, alors je n'ai pas, je sais pas si j'ai le prix ici. Donc on a la facture ici, si j'ai les prix. On a la facture, donc je ne vais pas vous montrer l'adresse. Mais ce qui est bien, c'est que bah, on a le descriptif du produit, la quantité qu'on a prise, le prix unitaire et le prix du lot. Donc c'est plutôt vraiment cool quand on vous fait des vidéos, par exemple, comme ceci. Donc du coup, je me suis racheté un lot de coton pour les ongles. Donc ça, je vous expliquerai quand je vous ferai une vidéo pose de gel semi-permanent, si ça vous intéresse. Donc du coup, pour essuyer, désinfecter votre ongle, c'est avec du coton comme ça et c'est pas avec du coton normal qu'on fait. Donc du coup voilà, ça m'a coûté, alors il y a 500 cotons et ça m'a coûté 2,99€. Donc pour 500 cotons ça vaut vraiment le coup. Ensuite je me suis recommandé un buffer ici, je l'ai enlevé de son sachet. Hop, vous voyez que c'est pas balancé comme ça. Je me suis recommandé un truc comme ça. Donc c'est un buffer 4 faces. Et ça m'a coûté... Donc c'est un 100 grammes, 49 centimes. Donc 49 centimes pour ça, ça vaut vraiment le coup. Ensuite je me suis recommandé une lime. Donc j'ai pris en grain. J'ai pris en grain. J'ai pris quel grain?
80 par 80 et pareil 49 centimes, donc ça vaut vraiment le coup. Ensuite je me suis pris donc des produits. Donc là je me suis pris un antiseptique, donc quand je fais les ongles à des personnes, pour me désinfecter moi mes mains et pour désinfecter donc les doigts des clientes, je me suis pris ça. Donc c'est de la marque Bonelux, solution antiseptique, et ça m'a coûté les 250 ml 2,95€, donc ça vaut vraiment vraiment le coup. Et ensuite je l'ai commandé, donc ceci c'est le Essie Shock Off Gel Remover. Donc en fait c'est un liquide qui sert en fait à ramollir le vernis semi-permanent sur les ongles et le faire enlever. Donc celui-ci m'a coûté 1,95€, les 90 ml, donc ça vaut vraiment le coup. Hop. Ensuite je me suis pris, alors hop, je vais vous dire sans casser, donc, vous voyez comment c'est bien bien protégé. Hop. Donc je me suis pris un nuancier, donc pour faire mettre les vernis semi-permanents dessus. Donc comme ceci, ça peut être pas mal si vous faites des ongles et que vous n'avez pas les capsules sur les vernis, vous pouvez acheter ça, c'est vraiment pas cher. Ça m'a coûté 95 centimes, donc ça coûte vraiment pas cher. Et vous pouvez mettre la couleur et le numéro en dessous, comme ça au moins vous voyez bien la couleur que vous souhaitez. Et ensuite pour finir, je me suis pris des vernis, donc normal, les vernis semi-permanents. Emballé dans du papier bulle. Alors, je sais pas où j'ai fait les ciseaux, ils sont là. Oups. Donc vous voyez, c'est super bien emballé, vraiment soin. Alors ici donc j'ai la couleur. On va commencer d'abord par le commencement peut-être. Alors tac, c'est la couleur encore. Donc ensuite je me suis pris ici un base top coat, donc pour faire la base et le top coat. Et je me suis pris également un primer, donc c'est ce que je dois appliquer avant d'appliquer la base. Et ensuite je me suis pris deux couleurs, mais ça je vous ferai des swatches sur le nuancier pour après. Donc ici j'ai pris un métallique bleu, donc il est comme ceci, la couleur a l'air super belle. Ça sent super bon, ça sent comme de la peinture. Et ici je me suis pris donc black, une couleur noire, donc tout est de la marque Bonelux. Donc un noir c'est un noir, j'ai pas besoin de vous montrer. Donc du coup voilà, et pour tous les produits là pour faire ma pose de semi-permanent, j'en ai eu pour 45,57€. Il y a un truc que je comprends pas, les frais de port étaient gratuits à partir de 45€ et j'ai payé les frais de port. Je vais voir ça. Donc du coup voilà, sur ce je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.